comme je vais grandir, je sais comment lire. Et j'aime écrire parce que comme je vais aller à la classe, je sais comment écrire. Le CERFECEL, c'est un appui intensif pour les élèves de première et deuxième année qui, déjà en début d'apprentissage, on a remarqué qu'ils seraient potentiellement des élèves à haut niveau de risque. Et après, en équipe école, on choisit les élèves que l'on va prendre pour 12 semaines. On remarque que c'est vraiment un bon progrès chez les enfants. Moi, je pense qu'on a changé leur parcours aussi. Scolaire puis de vie en même temps, parce que quand ils viennent dans le local, ils sont toujours contents, motivés, puis je pense qu'on travaille beaucoup aussi sur l'autonomie de ces enfants-là. Quand ils retournent en salle de classe, ils sont plus aptes à participer, puis leur estime de soi est aussi plus grande, puis on voit beaucoup de progrès là, à toutes sortes de niveaux. Maintenant qu'on travaille avec des groupes d'environ 3 élèves, et ça donne la chance à plus d'élèves de profiter de ce service-là. Avec et, le groupe puis tout le monde, on a l'impression de faire partie d'une équipe qui veut tout le monde le bien d'un enfant, puis on arrive à trouver des solutions, puis essayer des nouvelles pistes, puis on peut retourner 3 semaines après puis dire « voici, j'ai essayé, puis ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. » J'ai vu une fois qu'ils ont passé à travers le CERFECEL, si ça avance pas du tout puis qu'il n'y a toujours aucun progrès, mais c'est un très bon indicateur que ces élèves-là ont besoin d'appui plus permanent. La stratégie d'enseignement qu'on emploie pour l'enfance en difficulté, je devrais dire pour les élèves ayant des besoins particuliers, sont des approches modèles qu'on peut et qu'on devrait utiliser pour tous les élèves à l'école. C'est des stratégies où est-ce qu'il y a du questionnement et où justement les stratégies d'enseignement sont diversifiées et on fait en sorte que l'élève est au centre de son apprentissage, on favorise l'autorégulation. Alors, donc, le programme L a un rayonnement dans toute l'école, particulièrement au cycle primaire où, justement, l'apprentissage à lecture est nécessairement prépondérant à ce niveau-là. La moyenne de la salle de classe, ils ont tellement confiance en eux, ils ont fait des progrès, sont vraiment engagés maintenant dans leur apprentissage, ce qu'ils ne faisaient pas avant parce que ils se percevaient comme différents, puis ils savaient qu'il y avait un écart. Même en première année, les élèves savent. Alors, ensemble, on va essayer de revoir les mots puis de les lire le plus rapidement possible. Papa, qu'est-ce que tu vois là? Petite. Je suis gris. J'ai une trompe. Qui suis-je? Un éléphant. Alors, l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est l'histoire de l'éléphant. Les oreilles de Boubou, elles font flap, flap, flap. Est-ce que tu peux me montrer avec ton doigt le mot flap à la page 7? Il se promène. Merci d'avoir répété. Boubou, maintenant, tu as le sens dans ta tête. Dessiner et écrire. Les livres 9 et 10. Il y a d'autres livres que tu aimes beaucoup? Oui. Moi, j'aime lire les livres parce que comme je vais grandir, je sais comment lire. Et j'aime écrire parce que comme je vais aller à la classe, je sais comment écrire les mots. J'aime elle!